Bonsoir mes Gémeaux, comment allez-vous? C'est Nathie, j'espère que tout le monde va bien mes Gémeaux. En tout cas, je vous le souhaite. Donc là, c'est la guidance pour mes Gémeaux solaires, lunaires, ascendants en Vénus. Et puis, et ben là, c'est de la souge. Voilà. Pour enlever, évacuer les anciennes énergies, d'accord, et protection divine. Et on accueille les belles énergies, les belles et puissantes énergies. Voilà. J'ai un peu dessus, là je me suis brûlée. Alors, allez. Let's go. Je vous remercie pour tout. Merci de votre fidélité. Merci d'être là. Merci aussi de vos abonnements. Les abonnements, bah, ça fait monter ma chaîne. Et puis, du coup, bah, on a plus de visibilité aussi, hein. Bon. Et puis, merci pour votre fidélité. Par contre, il faut cliquer. Actionnez la petite cloche, donc abonnement cloche, et il y a une encoche, vous cliquez dessus, vous choisissez toutes, comme ça vous avez tous les messages de Nati, les messages, les promotions, les nouvelles vidéos quand je poste une ou des nouvelles vidéos. Merci en tout cas d'être là, vivant. Ben oui, vivant, heureusement encore, merci de votre existence, je voulais dire, et vivant, oui, vous allez vivre longtemps. Donc, du 9 au 21 janvier, pour cette guidance, c'est cette période-là. Et je suis en promotion depuis la semaine dernière, mais j'ai modifié un petit peu. Donc, je suis en promotion, j'ai prolongé du 8 au 18 janvier 2024. Et donc, c'est les trois domaines. Au lieu de 70 euros, les trois domaines passent à 60 euros. J'ai rajouté donc les deux domaines. Les deux domaines, au lieu de 55 euros, ils passent à 50 euros pile. Et le soin ancestral, bah, il passe de 120 euros par personne, il passe à 100 euros. Vous avez un résumé, un récapitulatif sur mon site professionnel natinatura.com. Mais vous avez tout ça en dessous de la vidéo. Et puis, vous avez mon mail aussi, hein, natalia16000nati@gmail.com. Donc, profitez-en de la promotion, parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais faire de promotion. Peut-être cet été, enfin l'été prochain. C'est possible, ouais. Donc, vous avez un récapitulatif qui vous explique. Et ça sert à quoi? Hein? Et si vous en avez besoin, bah vous allez, en le lisant, vous allez le ressentir. Maintenant, c'est un résumé, c'est au cas par cas que je travaille, puisque quand vous réglez le soin, eh bien, en fait, si vous voulez, vous me laissez votre numéro de téléphone et moi, je vous envoie un message. Quand est-ce qu'on peut savoir au téléphone une dizaine, quinzaine de minutes pour le déroulement du soin? C'est pas vous qui faites le soin, qui réalisez le soin, c'est moi qui le réalise pendant trois matinées. J'ai besoin d'une photo, le nom et le prénom de naissance et la date de naissance. Et puis ensuite, vous faites rien pendant les trois matinées que je réalise ce soin. Ensuite, on a un retour soin. Là, oui, il faut prendre rendez-vous bloqué sur mon site, bloquer le rendez-vous et 30 minutes, ça dépend, 3 quarts d'heure. Il y en a qui préfèrent que j'envoie par mail parce qu'ils sont pressés. J'ai des PDG, j'ai des gens qui voyagent, j'ai de tout en fait, hein. Et donc, du coup, il y a des gens qui sont ultra pressés et qui préfèrent, voilà, par mail. Et comme ça, ils ont le retour soin. Ils le lisent quand ils en ont envie, quand ils peuvent et tout ça.
Sinon, de vive voix, on bloque un rendez-vous, donc 30 à 40 minutes, 45, ça dépend. En réalité, c'est moins que ça, mais bon, voilà. J'aime bien prendre le temps. Après, si vous êtes pressé, on peut le faire vite. De toute façon, il n'y a pas mille trucs non plus, il n'y a pas mille symboles et tout ça. Je vous dis qu'est-ce que j'ai trouvé, qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai retiré, sur quoi j'ai travaillé et quelles sont les demandes. C'est pour ça que c'est au cas par cas. Parce que les demandes au niveau de l'univers, des guides, de vos ancêtres aussi, hein, puisqu'ils interviennent, puisque s'il faut couper du transgénérationnel ou alors vous aider dans la vie, eh bien en fait, si vous préférez, il y a une façon de s'adresser. On ne demande pas comme ça. Voilà. Et donc c'est ça les paroles sacrées. Donc il y a le rituel de soins ancestral avec les éléments et tout, mais je vous explique pendant le déroulement. Donc il y a un retour soi, on bloque ça et puis voilà. Ensuite, avec moi, il y a un suivi. Dès que ça bouge, vous m'envoyez un mail ou un SMS, WhatsApp, comme vous voulez, mais je ne peux pas vous prendre au téléphone puisque le téléphone il est occupé et tout ça. Dès que ça bouge, bah, vous me dites, ça y est, c'est débloqué, voilà, ça y est, j'ai le déclic, ça y est, j'ai trouvé un travail, un chéri, ou j'en sais rien, autre chose. Maintenant, moi, je ne fais pas revenir l'être aimé, par exemple. Vous voyez, ça, c'est la magie noire. Il n'y a pas de force, je ne force pas, on ne force pas. Voilà, c'est comme ça. Je travaille parce que je dois respecter et c'est normal. Donc à partir du moment où le soleil se lève et bien avant le coucher du soleil, vous voyez? C'est un soin ancestral. Donc pour ceux qui le savent et qui l'ont fait avec moi, donc du coup, ben, en fait, cette génération, enfin ça a sauté de génération, mais c'est dans la famille. J'ai beaucoup de retours en ce moment. Je suis tellement heureuse pour vous et je suis en gratitude au niveau de l'univers et tant mieux. Voilà, vous êtes mes amours, vous le méritez, tant mieux. Alors, donc ça sert à beaucoup de choses. J'interviens pour les blocages au niveau des maisons qu'on n'arrive pas à vendre ou alors pour purifier les maisons, pour les voitures aussi, hein. La protection, beaucoup de choses, mais surtout sur les gens qui sont bloqués par rapport à une rupture, par rapport à leur passé, leur vécu, le parcours, les traumatismes, sur les personnes qui sont bloquées aussi dans le deuil, vous voyez. Le deuil, alors il y a un temps légitime, hein, d'accord, à tout le monde, mais à un moment donné, si on est bloqué dedans, ça va pas, vous voyez. Il faut vivre. Il faut vivre. Il faut être vivant et vivre dans cette vie-là. Vous voyez? Donc après, c'est légitime. Il y a un temps. Moi, je suis passé par le deuil. Il m'a fallu du temps. Le temps qu'il m'a fallu. Mais à un moment donné, je me suis dit, là, c'est bon. Il faut que tu sortes du deuil parce que là, tu peux pas comme ça. Vous voyez? Bon, moi, j'ai été touché jeune. Hein, enfin, voilà, ça arrive. Hein, mais et à plusieurs reprises. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça s'est éteint. Hop, on prend celle-ci. Vous avez vu, Nathie, elle a tout prévu. Elle a tout prévu. Alors, allez. Mes chers Gémeaux, on commence par le tarot. C'est la générale. J'ai rajouté des cartes. Et ensuite, c'est mes célibataires et en couple, en relation ou en triangulaire, si ça sort ou non. D'accord? Allez, le tarot. Alors, certains de vous, vous êtes dans la communication, vous communiquez beaucoup, 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 beaucoup. Vous allez prendre une décision. Pour d'autres, en fait, il y a eu quelque chose de tranchant. Quelqu'un vous a blessé, hein, vous a fait mal.
on vous a dit quelque chose ou vous avez appris quelque chose de blessant, hein, d'accord? Pour d'autres, en fait, vous avez la rapidité. Tout s'accélère. C'est terrible, tout s'accélère. Et du coup, en fait, certains de vous, peut-être qu'on vous demande de prendre une décision rapidement ou qu'on n'a pas le choix. C'est possible aussi. Mais ça s'accélère dans votre vie. Pourquoi? Pour que vous ayez plus et mieux. Je ne sais pas, ça parlera à quelqu'un. Pour d'autres, c'est pour prendre une décision. Pour d'autres, certains de vous, ici, alors, on va pas bien, c'est la tornade, on va pas bien à cause d'une malhonnêteté. Il y a quelqu'un qui a été malhonnête avec vous, d'accord? Tranchant, blessant. Alors, ça peut être tromperie, d'accord? Mais ça peut être également une arnaque au niveau de l'argent. Ça, c'est possible. Ça peut être aussi également tromperie, adultère, escroquerie, vol, cambriolage, voilà, on s'est fait démarcher, tout ça. Bon, c'est possible aussi qu'on n'a rien vu arriver, voilà, ça va. Ah, voilà. Ça arrive. Certains de vous, vous allez tomber amoureux, amoureuse. Pour d'autres, c'est bien. Vous avez une rentrée d'argent. En tout cas, on a une récolte. Continuez comme ça. Soyez dans la persévérance. Vous allez vers du plus en argent. Donc, une amélioration financière. Et ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du beurre dans les épinards. Certains de vous, vous m'appelez parce qu'il y a des choses à guérir, hein, d'accord? Pour d'autres, vous m'appelez parce qu'il y a des choses cachées, vous voulez savoir, hein. Pour certains de vous, vous avez des dons de psychologue, d'autres, vous avez des dons de voyance, d'autres, vous avez des dons de guérisseur, guérisseuse. Pour d'autres, c'est d'autres dons, hein, d'autres talents, d'accord? Ça peut être le chant, la musique, hein. Regardez-moi ces rendez-vous là. Ça y est, là, il y a un nouveau départ au niveau d'un travail. Pour d'autres, c'est une formation. Alors, on est dans la création, créativité. Il y en a qui veulent se mettre à son compte, à leur compte, excusez-moi, ou vous allez être à votre compte. Certains de vous, vous avez peur de vous tromper. Vous êtes dans la crainte, dans le doute, la peur, vous voyez. Et d'autres, vous avez des rencarts, des rendez-vous. Préparez-vous aux entretiens pour ceux qui cherchent du travail. Hein. Ça va finir par payer. Ne lâchez rien. Si vous cherchez, 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 vous allez trouver, c'est sûr. Ici, certains, vous allez être à votre compte. Hein. Je le mets là. Eh ouais, la roue, elle tourne. La chance. Ici, on débloque la chance. D'accord? Il y a le changement, on provoque ici le changement. Certains, je pense que certains, vous allez faire des soins. Parce que certains, il y a des problèmes en amour, mais d'autres, vous avez des problèmes au niveau de la chance, au niveau de l'argent. Donc, il y a une histoire, vous êtes bloqué là, ici, là. Vous avez besoin qu'on voit plus loin. Et la longue vue, là? Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Qui c'est qui vous a mis dans cet état? Bon, on vous a fait mal. Là, on a cinq coupes par terre. La personne, elle va pas bien, elle est triste. Quelqu'un est parti, mais d'autres, il y a quelqu'un qui vous a dit des méchancetés, quelque chose de violent. Il a fallu se défendre comme on a pu ici. Pour d'autres, il y a des blocages. Vous voyez bien, là, il y a des blocages pour votre avenir. Il faut débloquer tout ça. Hein. Vous savez pourquoi? Il faut débloquer même la souffrance, les douleurs, les trahisons. Pour être comme ça, regardez. Regardez, pour être comme ça. Oh ouais, pour être dans l'amour à nouveau, dans la joie, dans la bienveillance, dans le bonheur, le 9 de coupe. Et comme ça, on ferme un cycle. Pour ouvrir un autre cycle et pour un nouveau départ. C'est magnifique. Super. Génial. Pour certains de vous, il y a une rentrée d'argent.
Certains de vous, on se retrouve, il y a des retrouvailles. Certains, 24 heures, ça ne vous suffit pas. Il faut du repos là. Hein. Bon, alors, il faut de l'équilibre, de l'ordre, du repos. Est-ce que vous couchez tard ou vous travaillez trop? C'est pas bon ça. Là, vous avez besoin d'équilibre. Équilibrer tout ça. Bon, ici, il y a quelqu'un qui est en échec au niveau de la loi, des actions en justice. Sur votre santé, s'il vous plaît. Hein. On vous culpabilise, on vous montre du doigt, on ment sur vous. Alors, si ce n'est pas la loi, c'est possible qu'il y a une personne qui met tout sur votre dos. Prendre la distance avec cette personne, elle est toxique. Protégez-vous. Bah, vous êtes protégé, mais vous vous protégez, mais il faut vous protéger. Bon. On retrouve la vitalité, la joie. Oh, magnifique. Certains de vous, oh là là, il y a un problème avec un bien immobilier. Aïe. Bon, certains de vous, par contre, vous êtes heureux. Hein. Vous allez trouver soit la location de vos rêves, soit achat-vente de biens immobiliers. Et d'autres, vous retrouvez la santé parce que vous retrouvez du travail. Voilà. Et vous êtes dans la joie. Certains de vous, ça peut être aussi qu'on vous félicite, mariage, grossesse, naissance, ou alors vous montez en grade ici. C'est bien. Certains, vous faites la rencontre, je l'éteins. Vous faites la rencontre. Vous faites, ça sent bon. Vous faites la rencontre, grossesse, naissance. Vous faites la rencontre de votre âme sœur, hein, vraiment. Ouais, ouais. Vous allez être super dans l'action. Il y a la chance hein, qui vous accompagne dans différents domaines. Certains, vraiment, ici, vous décidez de déménager ou de achat ou de vente de biens immobiliers ou location. Alors. C'est rien, ça arrive. Alors, ça c'est fait. Il y a quelque chose d'officiel hein, au niveau d'un bien immobilier, au niveau de l'amour, on se sent sécurisé et pourtant il y a une triangulaire. Mince, on n'a rien vu. On n'a pas vu la triangulaire. Vous vous sentez en sécurité et vous allez savoir. Hein. Il y a des rendez-vous en cachette. Vous avez eu de la chance encore. C'est à moins de chance pour certains de vous et certaines. Ouais, certains, vous êtes à votre compte, il y a de la clientèle dans l'air. Hein. Ça, les affaires reprennent bien, vous voyez. Et d'autres, vous l'êtes à votre compte, mais vous avez peur de vous casser la figure. Ou vous avez peur de ne pas savoir, pas assez savoir, pas assez. Avec ça, vous avez l'expérience, vous savez certaines choses. Après, je peux comprendre. Bon, quelqu'un trouve du travail en tout cas. La chance, hein, ça aussi, hein, dans certains pays. Hein. Bon, on retrouve l'ancrage. Hein. Bon, c'est la rupture, c'est terminé. Hein. C'est terminé, là il y a la rupture prochainement à cause d'une triangulaire. Hein. Tout est caché. Hein. D'autres, on vous parle de formation, formez-vous. Certains pour monter en grade, d'autres pour un concours, d'autres c'est pour être à son compte. Hein. D'autres, bah, c'est la cachette, c'est les secrets.
la triangulaire, la rupture, et on va avoir du mal. On est désancré, vous voyez, là comment il est, l'ancre. On l'a jeté, mais il tangue, quoi. Bah, c'est à cause de ça ce qui se passe, hein, d'accord? Bon, ici, vous avez une personne qui est rusée, qui est avec vous pour l'argent. Qui est là pour l'argent. Faites attention. Parce que c'est vous qui avez eu ce 7 d'épée. Ouais. Faites attention à l'argent, au bien, à de l'escroquerie, du profit, tout ça. Bon. Et vous êtes accompagné. Il y en a qui vont rencontrer l'amour, il y en a, c'est le travail. Hein. Bien ça. On est triste. Ah oui. On est triste, on a pleuré. Il pleure, on va pas dire. Modèle baiser, on y a cru. On y a cru, on y a cru. Ouais. Et d'autres, c'est par rapport à un ex, une ex, une relation précédente non libérée. Là, il traîne les wagons. Il va trop mal. Vous avez besoin, là, d'être aidé. Restez pas comme ça. Ouais. Vous avez besoin. Alors, eux, ils ont écrit lithothérapie. Moi, c'est ce que je. Alors, les pierres peuvent vous aider, mais moi, ce que je vois, c'est ce cœur-là, quoi. Il est brisé. On a touché à votre cœur, c'est pour ça que vous êtes dans cet état. Vous êtes triste, vous n'allez pas bien, là. Regardez-moi ça, quelqu'un vous a trahi. Hein. Promesse non tenue. Alors, moi, j'ai un ex, mais j'ai des parents aussi, ils vous ont fait du mal. J'ai quelqu'un qui vous a fait du mal. Alors, soit c'est quelqu'un qui est de la famille, des parents, ou soit c'est quelqu'un qui est soi-disant ami des parents. Déjà, j'ai les parents qui ont fait du mal, mais j'ai ici. Les parents lui ont fait confiance. Bon, ex-partenaire, on avait compris. Sabotage émotionnel. Promesse non tenue. Maintenant, la peur de l'amour, de l'engagement. On n'est plus aligné à soi-même. Relation toxique. Blessure de l'enfance. Relation répétitive, toxique que j'avais. Vous avez besoin d'aide, mes amis. Vous avez besoin d'aide, donc n'hésitez pas, c'est en promo, je vous l'ai dit. Après, là, ça peut être les guérisseurs, guérisseuses comme moi, mais ça peut être aussi les psychothérapeutes et tout. Hein. D'accord? Après, ça peut toucher votre enfant. Hein. C'est soit vous ou votre enfant. Lien du père, soit ça a été ou ça n'a pas été, vous voyez. Mais il faut couper les liens. Il faut couper les liens, là, il faut guérir l'enfant, l'enfant. La mère, j'ai les deux. Faut être libre comme lui. Faut se libérer. Faut tout couper. Les échecs, le mal qui a été fait là, j'ai un peu de tout. Donc, il y a quelqu'un par contre qui va être à son compte ou qui est à son compte là, et que ça a super bien marché. Bon, sinon, ici, faut se libérer. Comme lui là, ce cheval, regardez-le, ce cheval, c'est comme si il est parti de l'enclos. Il est parti où? Il est parti dans la montagne, traverser la rivière, les champs, vous voyez, le Grand Canyon, ce que vous voulez, mais il est libre. Il est libre. Il y a voilà. Et par contre, moi j'ai quelqu'un, vous avez besoin de vous libérer de ce qui vous est arrivé. Et par contre, moi j'ai quelqu'un, vous êtes triste à cause de cette rupture. Vous voyez? Mais là, faut faire quelque chose.
la lettre d'adieu. Il y a des restes. Possessivité. Bon, bah, je vais pas continuer. Bon, par contre, là, il faut un soin, ça c'est sûr. Mais pas que purification, hein. Là, il y a des choses à déprogrammer, il y a des choses à enlever, c'est vrai, mais là, il y a des déclics à avoir absolument, il y a des guérisons là, il faut absolument. Par contre, là, on va avoir un engagement avec soi-même pour d'autres, mariages, fiançailles, pour d'autres, c'est le travail, pour d'autres, c'est se mettre à son compte, hein. Bravo, 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 bravo. Et vous faites appel à la loi d'attraction et la chance revient. Mais de toute façon, on l'avait, hein, la chance, hein, depuis tout à l'heure. Alors, maintenant, mes célibataires. J'ai envie de rigoler parce que je vous jure, vous êtes blindés de trèfle. Je vous jure. Là, moi, je ne sais pas à qui je parle, mais vous m'écoutez là. Mais vous avez une de ces chances. J'ai beau choisir. Enfin, je ne choisis pas, je veux dire. Je comprends pourquoi ils m'ont demandé. C'est ah, viens, viens, prends-moi. Vous voyez, mes jeux, c'est ça aussi. Utilise-moi, tu ne vas pas utiliser depuis longtemps et tout. C'est comme s'ils me font un clin d'œil de l'œil, quoi. Non, mais franchement, de l'œil du bon, hein. Non, mais franchement, là, je parle à quelqu'un. Oh, c'est fini. C'est fini, 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 fini. On ne vous reprendra plus deux fois, trois fois, hein, c'est terminé. Faites attention à ce que je vous ai expliqué. Je vous expliquer mes célibataires. Vous vous libérez, mais totalement. Vous vous libérez d'un ex ou d'une ex, d'accord? Mais vu ce que je vois ici, là, vous avez la gagne. Hein. Donc là, mes célibataires, en fait, vous rencontrez une personne et vous deux, bah, c'est vraiment prédit. Hein. C'est vraiment âme sœur. Donc on a la fidélité, on va être fidèles l'un à l'autre. Et c'est le grand amour, c'est la chance. Vous êtes sa chance, il ou elle est votre chance. Vous adaptez, s'il vous plaît. Et au début, vous allez un petit peu tester ou quoi pour voir un peu, parce que bon, cette personne, elle vous intéresse, mais on ne donne pas comme ça son cœur, quoi. Son cœur et sa confiance. Et donc, voilà. Mais au fur et à mesure, vous allez être plus souple avec la personne, vous allez vous rendre flexible. Pour les rendez-vous, pour les coups de fil, voilà, à temps. Et vous allez vous permettre, vous allez vous lancer parce que vous allez avoir assez confiance et vous allez comprendre que vraiment vous deux, c'est quelque chose. Hein. Vous êtes fait l'un pour l'autre. Mais méfiez-vous, s'il vous plaît. Méfiez-vous parce que là, il est possible que. Mais vraiment, méfiez-vous, s'il vous plaît. Détachez-vous, s'il vous plaît, d'un ex ou d'une ex qui va être jalouse ou jaloux et qui va essayer de vous illusionner votre cœur, vos yeux, tout ça, encore et encore. Non, ça c'est de la jalousie parce que quand il ou elle va entendre parler que vous avez rencontré une personne, ou alors vous voyez, même s'ils l'entendent pas, ils le sentent. Et là, comme vous avez échangé les énergies, quand vous étiez ensemble, ils le sentent et là précisément, eh ben, ils reviennent ou alors coucou, bonne année. Ils se servent de ça, vous voyez. Coucou, comment tu vas? Je te souhaite la bonne année. Et c'est que pour vous illusionner. Non, 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 vraiment, vraiment, vraiment. Là, c'est franchement, c'est de encore mettre la pagaille et vous illusionner et. Et que vous quittez cette belle personne. Non,
De toute façon, la personne, elle ne va pas réussir. Il y a une protection là-dessus, là. Alors, en couple ou en relation? Oh là là, mais qu'est-ce. Mais Gémeaux, là, ça vous aime, hein? Ça vous love, hein? Alors. Alors, ici. Ici, j'en ai un des deux qui pardonne la tromperie ou qui a déjà pardonné auparavant ou vous vous êtes douté. Mais comme vous êtes dans la codépendance et que vous êtes persuadé qu'il ou elle est votre âme sœur pour toute la vie, alors que non, en vérité, il y a un autre amour hein, qui doit venir, mais pour l'instant, on vous demande de laisser partir cette personne-là, mais vous n'arrivez pas. Donc, vous êtes dans tout le temps dans la réconciliation et tout. Après, il est possible que vous avez des enfants ou que vous soyez pas prêt, pas assez, vous voyez, dans le sens, pas assez mûr pour vraiment laisser tomber cette personne. Mais vous êtes dans la codépendance et cette personne, elle vous rend malade. Vous allez en parler à quelqu'un, d'accord? Quelqu'un qui va vous écouter, quelqu'un qui est loyal, quelqu'un qui peut vous prodiguer ses, comment dire, ses conseils et tout ça, vous voyez? Je vous l'ai dit, hein. En fait, il y a besoin quand même de guérir de cette personne qui est libertine, qui vous envoûte, qui fait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut de vous. On vous demande de quitter et de garder l'esprit ouvert puisque l'univers, en fait, a prévu quelqu'un d'autre pour vous, vous voyez? Quelqu'un que vous allez attirer hein, et qui va être attiré par vous. Mais pour l'instant, on en est à ici, voilà. On n'arrive pas, on est dans la codépendance, on se réconcilie, on accepte. Peut-être vous vous en doutez qu'il ou elle vous trompe ou vous le savez. Après, des fois, il y a des gens qui se réconcilient par rapport aux enfants aussi, si vous en avez ou pas. Mais on vous dit, laissez-le partir. Il ou elle, hein, votre ex, une ex ou un ex. Après, moi, j'ai un autre cas de figure ici. Et puis, regardez, il y a quelqu'un d'autre qui vous attend. Diane, elle est en train de tirer, mais ils ont fait exprès. Elle est en train de tirer, on ne voit pas qui. Il y a quelqu'un qui arrive, vous allez tomber amoureux, amoureuse. Et cela est prévu. Après, moi, j'ai autre chose. J'ai un autre cas de figure, vu que c'est une générale, hein, j'essaie de vous transmettre un maximum. On vous dit que, alors, vous êtes avec une nouvelle personne aujourd'hui, mais vous pensez à un ex ou une ex. En fait, vous n'êtes pas guéri, il y a des restes de sentiments, d'attirance, d'attraction, ça revient dans vos têtes, vous voyez, ça passe. En fait, vous y pensez, en fait. Bon. Alors, c'est triste pour la personne, parce que c'est une personne bien, et on pourrait aller loin avec et tout, mais vous pensez à quelqu'un d'autre. Alors, après, c'est soit vous pensez à votre ex, soit c'est possible, on est avec quelqu'un, mais on pense à quelqu'un d'autre. De toute façon, là, j'ai deux. Moi, j'ai quelqu'un qui pense à deux personnes. Il va bien falloir choisir, on ne peut pas s'asseoir sur deux chaises. Regardez cette petite sienne, Liana, viens dire bonjour. N'aie pas peur, il y a la bouillie. Ouais, tu fais attention. Regardez ces petites siennes là. Elle fait l'hélicoptère. Elle fait l'hélicoptère.
Voilà, je vais vous la montrer. Oh, t'es ma puce. T'as peur? Oh, t'as peur. Vous voyez pas sa petite tête, mais elle a des yeux, mais magnifiques. Bah, ça, c'est Yo-Yo, Yona. Oui, ma chérie, viens dans mes bras. Oh là là, la pagaille. Voilà, elle vous fait un coucou, c'est rare. C'est rare que je monte cette petite chienne, c'est adorable. Ma chienne. Elle a un peu grossi, hein? Oui, hein? T'es une maligne. Après, moi, je craque et je te donne. Hein? Mais t'as déjà eu ce qu'il fallait. Mais en fait, un amour. Un amour, un amour. Un amour, puisque je l'ai recueilli. Et c'est que du bonheur, c'est que du bonheur, quoi. Franchement, il pourrait aller pour nous, quoi. Comme quoi, dans la vie, vous voyez, hein, bah, même les chiens ont droit à une seconde chance et de la chance, bien sûr. On va positiver, hein. Avec tous ces trèfles, franchement, hein, même l'encre, hein, dans des pays, c'est la chance, hein, de toute façon. Ouais. Bon, bah écoutez, je vous souhaite le meilleur. Si vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas à profiter dans des promos. Et sinon, couvrez-vous, prenez soin de vous. Et puis, on se retrouve bientôt. Et n'hésitez pas pour une consultation ou des vidéos. Parce que moi, je fais aussi en vidéo, format vidéo. Vous la commandez, la vidéo, vous la réglez sur mon site. Et je vous l'envoie en privé ou alors en consultation téléphonique avec moi. Bon, je vous embrasse et je vous dis I love you et à bientôt. Bisous.